Le circuit de distribution. La distribution est la fonction de l'entreprise qui permet de mettre à la disposition des consommateurs les biens ou les services dont ils ont besoin, à l'endroit, en quantité et au moment où ils les désirent. Réseaux, canaux et circuits de distribution. Le réseau de distribution renvoie à la notion de personnes physiques ou morales qui ont un rôle dans la vente. Exemple, réseau de représentants. Le canal de distribution renvoie à la notion de biens de même nature qui empruntent un même chemin. Le circuit de distribution est l'ensemble des canaux concernant un bien ou une catégorie de biens. Les canaux de distribution. Il existe quatre canaux, du producteur au client, du producteur au détaillant puis toujours au client, du producteur au grossiste puis au détaillant et enfin au client, et du producteur à la centrale d'achat puis au détaillant et au client. Le premier canal est donc un canal direct, le deuxième canal court, le troisième canal long et le quatrième canal long intégré. Petit exemple, Fred vient de reprendre la chèvrerie de son oncle. Sandrine vient tous les étés en vacances chez sa grand-mère. Elle va acheter directement le fromage de chèvre à Fred. C'est un canal direct. Deuxième exemple, Fred, toujours dans sa chèvrerie, vend son fromage de chèvre à Antonia, qui a une petite épicerie dans le village à proximité de Fred. C'est donc un canal court. Antonia est l'intermédiaire entre Fred et les consommateurs. Troisième exemple, Muriel travaille pour un grossiste. Elle achète le fromage de chèvre à Fred, puis le revend à des détaillants. C'est un canal long. Il y a deux intermédiaires, le grossiste et le détaillant, entre Fred et les consommateurs. Quatrième et dernier exemple, Romance se charge de l'achat de produits frais dans grande distribution. Elle achète donc les fromages de chèvre à Fred, puis les distribue par le biais des centrales d'achat et enfin des hypermarchés ou des supermarchés dont elle s'occupe. Il y a encore deux intermédiaires et c'est un canal long intégré.